Moi, on dit j'étais dans le PDG. Les chambriers, tout le monde était dans le PDG. Et ils faisaient quoi au Gabon? Ils se sont séparés. Après, ils vont se dire qu'ils sont opposants par rapport à quoi? Parce qu'ils ont rempli les poches. Et ils ont mangé ensemble, ils ont bu ensemble, ils ont tué ensemble. Maintenant, nous les pauvres, c'est nous les pauvres qu'ils veulent maintenant mettre dans les problèmes. Mais il y a des Gabonais qui disent qu'on ne doit pas faire les élections. Mais on oui, ne peut je pas. Préfère même. On ne peut pas faire les élections. On va voter qui? Je préfère pour nous donner quoi? Aujourd'hui, Ali Bongo avait dit comment? Ali Bongo avait dit. Ali reste là. Ali Bongo avait dit. Quand le Gabonais va rire, il sera heureux. Aujourd'hui, le Gabonais pleure. Il y a le chômage. Tout ce qu'il a trouvé au chômage. C'est lui qui parle. Un point. Il n'y a plus le travail. Nous, les femmes, nous souffrons. Moi, je n'ai pas de mari, je suis veuve. Je travaille où? Les enfants travaillent où? Les enfants, j'ai soutenu mes enfants. Ils travaillent où? Les diplômes sont là. Le travail est où? Ceux qui sont même au travail, on ne les enlève. Les sociétés ferment. Pourquoi on ferme les sociétés? L'argent du pays, ça part où? Amissa Bongo, qui est morte depuis, qu'on ne voit même plus sa terre. L'argent part dans les bains, ça bouge. Les vélos passent là. Tout le monde arrive de chaque pays. L'argent là part où? Donc, ceux qui disent qu'on ne doit pas organiser les élections, raison? On ne vote pas. Non, c'est déjà voté, c'est dans les urnes. Dans eux-mêmes, ils sont les gens allés. De mettre les noms présents jusqu'à la mort. Quand la mort tout le monde qui sont dans les mairies là, ce sont les noms là qu'ils mettent pour dire qu'Ali Bongo a gagné. Ali Bongo lui-même, il marche. Pourquoi les policiers chassent les gens qui veulent se lever? Le trottoir, on ne va pas. Nous les femmes, nous allons avoir les enfants. On a les petits, on les fait manger avec quoi? Qui envoie nos enfants? Je vais mettre ma tomate là, on chasse les enfants. Les policiers viennent piétiner la marchandise des femmes au marché. Partout là où les policiers, ils soulèvent, ils soulèvent. Vous pensez que c'est normal? C'est pas normal. Pour que les Gabonais s'asseyent pour repenser le pays. Donc ça, c'est la transition. Les autres disent qu'il faut aller aux élections pour tout. Vous, qu'est-ce que vous pensez? Non, on ne peut pas aller aux élections pour tout. Aller aux élections pour tout, c'est pas normal. C'est nettement mieux. À mon avis, c'est mieux dessous d'abord le Sénat, mais pas l'Assemblée nationale. Sénat et l'Assemblée, non, même les deux. Non, l'Assemblée, non. Mais le Sénat, c'est encore nettement mieux. Mais écoute, aller maintenant aux élections, lutement comme ça, c'est pas... Donc c'est qu'il dit qu'il faut la transition, raison? Il faut la transition, oui. Donc la transition, c'est la transition. C'est mieux encore, à mon niveau. C'est la même. Vous partagez la même idée que, voilà, que la mienne, c'est mieux encore la transition. Au collège, avoir les enfants avec la bourse. La bourse des enfants aujourd'hui est partout. Tous ceux qui sont au secondaire, les enfants travaillent. Ceux qui ont eu le bac, il n'y a pas de bourse. Ceux qui ont eu les BEPS, le concours, rien. La bourse des enfants est partie où? Ici au Gabon. Les enfants souffrent. Nous-mêmes, les parents, nous, alors que 24 000, hein, l'enfant peut aller payer son livre, l'enfant peut aller payer sa tenue. Mais la bourse des enfants est partie où? Dites-moi là où se trouve la bourse des enfants. Ali Bongo, son enfant travaille déjà. Il n'apprend pas ici. Ping, son enfant n'apprend pas ici. Miboto, son enfant n'apprend pas. Tous ceux qui sont dans le gouvernement. Les Paulette Misambo, tout le monde, leurs enfants n'apprennent pas, les petits-fils n'apprennent pas ici. Nous qui souffrons, nos enfants sont ici. Ils n'apprennent pas. Même si toi tu peux dire que non, tu sais la ceinture, tu payes le livre de l'enfant. Arriver au milieu, les enfants, il n'y a rien. Pourquoi ça? Le Gabon est parti où? Qui a gaspillé le Gabon? Allez, on se met dans les bureaux. Quand il y a des les midi, tout le monde parle. Moi, je ne peux plus partir. Mais mon mari était dans le PDG. Moi-même, le PDG. Je n'ai rien gardé. Ils ont tué mon mari. Bon, d'après moi.
La transition veut dire l'opposition et le PDG qu'on réunit, qu'on soit ensemble, que nous soyons ensemble, hein, pour développer le pays. Très bien.